Qui va donc disputer cette super finale en compagnie de Florica Leonida. Mais avant cela, la super finale aux anneaux avec Tambakos, le grec d'un côté, et Yuri Van Gelder, le néerlandais de l'autre. Place tout d'abord à Demosthenis Tambakos. Tout va se jouer sur le maintien, l'horizontalité et la réception de la sortie. Ça tient, ça remonte, et là il faut tenir 1, 2, c'est bien, 2 secondes minimum, 1, 2, voilà, ça tient aussi, c'est celle-là qu'il faut tenir, 1, ah, vous voyez, oh là là là, ouais. Vous voyez comment les juges font pour enlever le petit dixième. Sortie vers le haut. Oui, oui, oui. Une technique particulière de double arrière tendu en poitrine, en extension pour pouvoir piler. Yuri Van Gelder, le néerlandais, qui se prépare pour cette super finale. Donc. Il a vu le passage de Demosthenis Tambakos. Il va tenter de faire mieux. Yuri Van Gelder. Remonter la planche, ça compte. Pour renverser. Avion. Nakayama. Et Lazarian pour terminer. Allez, sur les forces, ça passe. Prise d'élan, tout de suite à l'équilibre. Ah, le saut, il est devant à la sortie, il ne maintient pas assez l'extension à la verticale, il faut projeter le corps vers l'arrière et donc ça part un petit peu devant. Alors oui, on voit. Eh bien, c'est le grec qui se hisse le plus haut, victoire de Demosthenis Tambakos. 9,762 pour le grec contre 9,7 pour Yuri Van Gelder. Mais ces deux hommes, eh bien, se disent.